pneus temporaires à faire. Je sais pas, attacher n'importe quoi, puis plus tard, à la fin de la journée, de la redétacher. Ou même le laisser là très longtemps, c'est assez simple. Mettons, nous autres, nos ancres, quand on jette nos filets, la pêche commerciale, on attache nos ancres, on attache nos ballons. Donc la première ancre, première ballon, on laisse un peu de filet, tu rattaches ton autre ballon, ton autre ancre. Mais quand on récupère, on ramène tout ça, mais on détache tout pour se récupérer à mesure. Donc il faut que ça soit pas de taponnage. Le bateau se déplace avec son moteur, tout ça, faut que ça soit efficace. C'est un nœud simple qu'on fait là. Tu rentres ça dedans comme ça. Ce que tu fais ici, fais ta loupe. Là, tu te dis, mettons, bon, le petit lapin, il sort de son terrier, et il fait le tour pour voir, il voit rien, il rentre dans son terrier. Puis là, on sert juste là. La pression va être appliquée ici, mais pas jusqu'en bas. Ici, pour le sécuriser, on peut rouvrir un brin. Tu en rembarques ça là. Puis là, une autre idéale, vu que ça va rester souvent pour la saison, si on ne déplace pas le filet, on prend juste du tape de même, on sécurise. Mais c'est super solide, puis ce qui est avantageux, c'est que le dernier nœud, lui, il se serre pas comparé à l'autre. Ça donne de quoi qui est bien correct, sauf que quand tu défais ton premier, tu as une facilité parce que lui, il a pas serré. Et tu défais, puis tout se défait automatique. Donc ça va vite, on peut serrer nos ancres, puis nos ballons, rentrer nos filets. Fait que je peux vous leur montrer, tu sais que tu rentres ça, tu fais ton petite chose comme ça, fait que là, tu dis. Le petit lapin il sort de son terrier, il fait le tour pour voir s'il n'y a rien, il rentre dans son terrier. Et hop, on sert ça, on rouvre le brin, on sécurise le tout, on met du tape. Vous avez de quoi de super solide, c'est là, c'est ça. Ça peut servir aussi au niveau d'une autre pêche. C'est que c'est ça, ça ressemble à ça. Ça pour ceux qui ne savent pas, là. Normalement, là, moi j'ai voulu avoir un 2-3 pieds de chaîne. Direct sur notre angle pour éviter, parce que si tu mets ta corde direct, tu peux avoir du frottement par les roches, ça va couper, ton angle ne servira à rien. Donc normalement, on ferait nous prendre un bout de chaîne avant de passer à la corde. Puis moi, ça c'est mon crochet pour accrocher la corde que je vais passer à quelqu'un quand j'arrive avec le chose. Et ça, on fait 2-3 nœuds, puis il reste ce bout de là, fait que on veut être sûr et certain. On écartille ça, on le passe dedans. Et voilà. Avec le tape, là on est plus sûr à 100%, on commence à être sûr dans le 150 puis dans le 200%. Ça coûte pas plus cher, puis c'est sûr que si tu mets ton ancre ou si tu donnes la corde à quelqu'un, le bateau s'en va, ben t'es pas pogné, pas de l'arcade, si on veut, là. Fait que, ça se fait bien. Puis, on a tous, à un moment donné, voulu sauver dans la vie, puis acheter des vidanges de Ching Chong, hein. Et comme les coupeurs de Ching Chong pas chers. D'ailleurs, même les couples qui veulent savoir s'ils sont aptes à avoir des enfants, tu sais, ils pourraient même adopter des Chinois là, pour faire le test, parce que de toute façon, au bout de 2 semaines, ils vont briser. Et au moins, ils vont savoir s'ils sont aptes à avoir des enfants, pour pas pire. Passer ça quand tu lances ta corde. Le bateau, bon, revenant au coupeur de Ching Chong, tout ce qui reste, c'est que c'est des morceaux, après l'avoir utilisé une demi-heure, qu'on sait pas quoi faire avec les morceaux, fait ça, c'est une belle utilité. Et tu passes la belle poignée à ton chum, tirer le bateau. C'est toujours la récupération. Coupeur qui a marché une demi-heure. Ils vous ont mis en spécial une belle petite tente, 2-3 places, Ching Chong aussi. Mais la tente est venue vous en serveur, puis ça a duré à peu près 2 jours. Mais avec cette tente-là, il venait des beaux petits tuyaux en fibre de verre. C'est coupable, c'est découplable. Ça fait que là, ça devient intéressant de récupérer un des affaires de Ching Chong. Parce qu'une chaloupe, quand il n'y a rien dessus, puis comme moi ici, comme vous pouvez voir, mes voisins, c'est la foire, ouais. Les voisins, ils aiment ça, le bois. Ça doit être des bûcherons nés dans l'ombre. Moi, j'en ai pas de bois, ici. Moi, je vends pas de sirop d'érable, pis tout, j'ai pas le temps de mettre avec ça. Ça fait que, une chaloupe, pas de couvert, là, ces arbres-là, de ce temps-ci, les érables, ils dompent, c'est ça, des niaiseries rouges, des gugus rouges qui tombent de là, là. Ils entendent à la profiter. Tout à l'heure, après ça va être des hélicoptères, pis whatever, là.
Ça fait que tu te rends compte qu'une chaloupe, pas de couvert, à côté d'un voisin qui adore les arbres, ça devient juste ce qu'on pourrait appeler un plat. Un gros plat qui se remplit. Fait que là, même tantôt, je viens de passer sur le bac dedans. Fait que là, en utilisant ces barres-là, tu te crées des petits arceaux, barrés là, tu mets ta toile, rien qui fait là-dessus, même l'eau entre pas, mais ça, c'est pas grave. Je vais passer à la balayeuse, je ne l'ai pas lavé, un petit peu de plus, ça aurait fait du bien. Mais voilà, une autre utilisation de récupération des produits Ching Chong. Yeah!